Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Nicolas, Vincent m'a dit tu dégoûtes. Pas de son. Ça va arriver, ça va si, arriver. C'est bon. Il y a un décalage de 30 secondes. Alors il y a un décalage de 30 secondes, paraît-il. Donc, N'hésitez pas à confirmer. Voilà, dites-moi si ça marche ou si ça marche pas, si vous m'entendez ou pas. C'est bon. Impeccable. Bon, alors si c'est bon, si on m'entend, c'est bon. Impeccable. Très bien, ok, d'accord. Alors bonjour à tous, contente de vous retrouver après ces quelques vacances et les quelques soubresauts. C'est bon Adriane? Oui. Donc je vais commencer par vous parler, de vous faire une petite revue de marché. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... Je suis très embêtante, je vais casser l'écran de mon petit ami Vincent Gann. Donc ça déjà j'en veux pas. Hop. Non, on va pas, on va laisser l'indicateur. Et voilà. Donc comme ça j'ai un écran propre. Bon, je laisse le RSI parce qu'il y en a que ça intéresse. Voilà. Donc ce matin, si vous nous avez suivis sur Twitter avec Vincent et Adriane, on a pas mal tweeté sur le GBP, donc GBP AUD, GBP NZD, GBP Yen et GBP USD, et Adriane a fait le GBP CAD, parce que voilà, ce sont des paires qui sont en train de donner des signaux d'achat assez forts. Donc je voulais revenir un petit peu sur ces paires-là, et ensuite, si il reste un petit peu de temps, on verra d'autres actifs en fonction de vos demandes. Et je vous parlerai un petit peu, ou je vais peut-être commencer par ça, j'en sais rien, de mon petit stage japonais, puisque j'ai eu l'occasion début février de rencontrer des traders japonais. J'ai pu me confronter, donc les traders japonais tradent avec l'Ichimoku, bien évidemment, les chandeliers évidemment, mais l'Ichimoku en particulier. Et ça m'a permis de confronter un peu mon trading avec le leur et de pouvoir vérifier certaines idées que j'avais par rapport à la lecture de l'indicateur, puisque que, comme vous savez, il n'existe pas une grande littérature sur le sujet. Autant les MACD et bandes de Boulanger, vous allez trouver ça dans plein de tout livre d'analyse technique qui se respecte. Autant l'Ichimoku, il y a des choses qui ont été publiées, mais beaucoup avec pas mal d'erreurs. À la décharge des gens, c'est pas toujours facile de trouver les informations sur cet indicateur, je veux dire ceux qui ont écrit. Et donc, j'avais un grand avant de rencontrer ces traders, j'avais un certain nombre d'idées par rapport à la lecture de marché avec cet indicateur. Il y avait des choses que je voyais, mais je n'avais pas les réponses. Et je pensais qu'il y avait certaines pertinences. Donc rencontrer ces traders, ça m'a permis de valider, je veux dire, certaines intuitions, certaines idées que j'avais, certaines choses que je lisais, que je ne voyais pas chez d'autres auteurs qui ont écrit sur le sujet. Et donc j'étais, je ne veux pas m'envoyer des lauriers, mais j'ai été assez contente parce que mes vues étaient bonnes. Donc je considère, après ce passage de quelques jours, que j'ai une bonne lecture de l'Ichimoku. Alors je ne dis pas que c'est la seule et que ce que font les autres en Ichimoku que je connais en France, ce qu'ils font ne vaut rien, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que de mon point de vue à moi, en sens où je suis autodidacte sur cette méthode, puisque quand j'ai commencé à l'étudier, il n'existait absolument aucun livre à part celui de Nicole Elliott. D'avoir appris toute seule et simplement par le travail et la lecture de marché au quotidien et le trading au quotidien surtout, ça m'a permis de bien m'approprier cet indicateur, et donc je suis revenu plus convaincu que jamais que c'était un indicateur qui était vraiment très performant et très utile. Alors l'autre chose que j'ai apprise aussi, c'est la façon dont travaillent les traders asiatiques, on va dire, hein, donc la japonais en l'occurrence, mais la philosophie qu'ils ont, ils ne travaillent pas, donc c'était une salle de marché étrangère, ils ne travaillent pas du tout dans le même même situation de stress qu'on peut trouver dans la salle de marché, notamment américaine. C'est vraiment très très zen, et ils ont une attitude
par rapport au marché qui est intéressante, à savoir, c'est on attend les validations, on est toujours, ils attendent énormément, donc bon bah c'est vrai que pour certains ça peut paraître un peu pénible, donc dans ce cas-là on va se mettre sur des UTIs courtes pour pas avoir à attendre trop longtemps, mais ils sont en attente et ils ne prennent vraiment des positions que quand ils ont le maximum de sécurité en phase 2. Donc c'est toujours ce que je prône aussi bien dans mes webinaires, dans mes cours que sur Twitter où je dis attendez les validations et bon bah les gens trop pressés prennent avant, mais bien souvent ça va sauver quand même le portefeuille et sauver des situations. Maintenant si on attend et que bah voilà le mouvement est violent, ça part, et ben c'est pas grave, c'est parti, on n'était pas dedans, et ben tant pis, ben, on passe à autre chose, on cherche autre chose, et voilà, et ils se mettent pas martel en tête, c'est vraiment la zénitude totale, hein. On parle du zen japonais, mais je veux dire, c'est pas une légende, et ils sont, c'est assez intéressant, et c'est assez déstabilisant quand on connaît les salles de marché américaines, ou comme les traders français que je peux connaître, la façon dont ils agissent, quand on voit ces traders, la façon dont eux vont opérer, c'est assez intéressant, et bon, déstabilisant et intéressant, et on revient là vraiment avec une toute autre attitude par rapport au trading et par rapport au marché. Voilà, donc je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus dans mes formations ou lors d'un prochain webinaire, en disant vraiment tout ce que j'ai pu, pas vraiment apprendre, mais valider, quoi. Voilà. Donc, je vais passer, pourrez poser des questions à la fin si vous voulez. Je vais passer à l'étude donc de quelques... Alors je suis désolée parce que j'ai la tête en allemand et en anglais après quelques temps on l'a passé en famille, donc j'ai un peu du mal avec mon français. Donc je vais passer sur quelques paires. Donc j'ai commencé par les GBP puisque c'est ces paires-là qui nous ont intéressés particulièrement ce matin, puisqu'elles ont donné donc des signaux d'achat. Alors je vais commencer par ma favorite qui est la GBP NZD. Voilà, alors GBP NZD. Ah oui, alors ça c'est pas malin parce qu'en fait ça change l'écran, mais ça ne change pas, ça n'a pas changé les configs. Bon, c'est pas grave. Donc le GBP NZD, alors ce que je voulais vous montrer c'est ceci. Voilà, donc ça nous sommes en mensuel, alors vous faites, parce que si je lui enlève tout il va pas être content. C'est vraiment gênant quand même, hop. Voilà. Donc j'avais attiré l'attention, je crois que c'est en début de semaine, sur mon analyse de lundi, où j'avais dit, déjà le mois dernier, j'avais dit attention que là, ici, on avait une grosse configuration haussière qui était en train de se développer donc en mensuel sur le GBP NZD, c'est-à-dire vous avez une grande bougie bleue, trois bougies rouges qui restent à l'intérieur de la bougie bleue précédente, et donc de l'autre côté bougie bleue. Alors effectivement, j'avais quelqu'un qui m'avait fait la remarque comme quoi il aurait été intéressant que la bougie bleue ici clôture sur les mêmes niveaux que la clôture de l'autre bougie bleue, voire au-dessus, et ça aurait été un peu plus fort. Alors effectivement, c'est une remarque qui était très pertinente, en ce sens où on a bien gardé cette idée haussière, cette configuration haussière sur la paire, mais le fait qu'on n'ait pas clôturé au-dessus, voire au même niveau, c'est ce qui a entraîné, enfin, disons que le mouvement qui s'est produit ce mois-ci avec une baisse, on a commencé par être baissier, là il semblerait que maintenant effectivement on aille reprendre la hausse, et la conséquence, enfin, elle soit en relation avec cette clôture. Ça c'est quelque chose aussi que j'ai appris là avec mes japonais, c'est vraiment la lecture des bougies, alors pas les avalements, les choses comme ça, tout ce qu'on peut lire dans le livre notamment de Nison, hein, qui est le spécialiste en la matière, donc je ne remets pas du tout en cause ce qu'il dit, tout ce qu'il dit est valide, mais c'est valide dans l'analyse, ça l'est moins dans le trading, c'est-à-dire dans le trading il va falloir qu'on regarde d'autres choses beaucoup plus précisément, parce qu'on est censé prendre des positions, donc on est censé avoir des informations dont on n'a pas nécessairement besoin dans l'analyse, les informations dont on a besoin en trading ne sont pas les mêmes, et notamment donc Nison va vous décrire plein de configurations, des avancées, trois soldats blancs, les corbeaux, les nuages noirs, les avalements, plein de choses comme ça, et en fait les japonais ne regardent pas ça, ils vont regarder vraiment les bougies elles-mêmes pour ce qu'elles sont. Maintenant, effectivement, si on a un nuage noir ou si on a un avalement, ça va renforcer d'autant. Mais ce qu'ils vont plutôt regarder, c'est par exemple cette bougie-là qui est remontée.
hein, qui a corrigé ici et qui est remonté à la moitié de cette bougie-là. Ça, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que c'est un rami ou je ne sais pas quoi? Ça, ça ne les intéresse pas. Ils vont regarder les ouvertures, les clôtures. Et là, par exemple, dans ce qui se passait ici, effectivement, là, on avait une petite indication que la hausse ne se ferait pas forcément aussi facilement que le laissait supposer cette configuration. Donc, à la base, on a bien une configuration, à savoir une bleue, trois rouges et une bleue, mais qui nous disait bien que ce mouvement qui avait été initié ici restait, perdurait. On était bien en train de partir dans une hausse. En rajoutant l'Ishimoku, on a l'information où on est en train de pénétrer dans le nuage. Donc effectivement, c'est un bon point, c'est-à-dire que les bougies ne sont pas en dessous, coincées entre la Kijun et le nuage. Elles sont bien en train de rentrer dans le nuage, donc on a bien une volonté de vouloir monter. La volonté est là. Maintenant, est-ce que ça sera concrétisé, c'est une autre question, mais la volonté est là. Et donc le fait que là, on n'est pas clôturé dessous, nous donnait l'information comme quoi ça n'allait pas être peut-être aussi évident que ça. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. Alors, j'ai fait des études dimanche ou samedi, enfin dans mon week-end, j'avais fait des études qui ont été publiées lundi matin. Et donc c'était sur le GBP notamment et le GBP NZD en particulier. Et je mettais que la bougie était rouge à ce moment-là. Et je mettais que, pour le moment, on n'avait pas de validation de ce schéma là et là aujourd'hui on a eu la validation puisque tout ça était retracé en fait dans la journée. Et là vous avez la lagging span qui est en train de casser la Kijun. Donc maintenant le niveau d'invalidation pour toute stratégie haussière se situe à ce niveau là c'est à dire au 2,0538. Donc ça c'est une chose, ça c'est sur le mensuel, donc ça c'était l'idée générale avec donc un achat possible et la hausse potentielle. Voyez que on est sur du mensuel, hein, donc on est en train de partir pour l'année, voire carrément éventuellement sur 2016. Voyez que on peut envisager de 41, donc il y a énormément de points à prendre. Il y aura des obstacles entre les deux et on ne va pas monter en ligne droite, on est bien d'accord. Mais pour le moment, là, on a une première validation, comme quoi on repart bien en tendance haussière après avoir eu une tendance baissière avant. Donc il reste à traverser le nuage pour que les prix valident déjà ce renversement de tendance, puis la lagging span qui devra traverser son nuage pour valider aussi. Donc l'idée serait quand même que là on voit qu'on a eu une progression assez flat, hein, qui dure quand même depuis un certain temps. L'idée ce serait que ça booste un petit peu pour que la lagging span puisse passer par le côté faible du nuage. Bon, ça c'est les élucubrations qu'on peut faire. On va peut-être continuer à l'horizontale pour sortir par ici. Et la lagging span sortira aussi à l'horizontale. Hein. Le marché fait ce qu'il veut. Nous, on peut avoir des idées. Maintenant, on surveille les signaux. Donc, le signal est que tant qu'on restera maintenant au-dessus de ce niveau-là, donc 2,05459, bon, on va dire 2,05 pour faire simple, on restera aussi sur cette paire. Alors, ça, c'est la configuration mensuelle. Et voyez ce qui est intéressant, c'est qu'en hebdomadaire, on a le même type de configuration. Alors, c'est le même type de configuration à un petit détail près, à savoir qu'on a aussi une grande bleue, trois rouges intermédiaires et à nouveau la bleue donc qui s'est dessinée principalement aujourd'hui. Hein, bien si c'est du weekly, c'est aujourd'hui qu'elle s'est dessinée, cette superbe bougie. Alors, l'information intéressante qu'on a ici, c'est que vous voyez qu'on n'a pas fait comme sur le mensuel, on n'est pas redescendu, on n'est pas resté complètement à l'intérieur de cette bougie-là, on s'est arrêté à la moitié de la bougie. Donc ça, c'était intéressant à voir donc, à la fin de semaine dernière, à savoir qu'on a eu un doji ici, une deuxième ici, une troisième ici plus profonde, vous voyez que les corps sont de plus en plus grands, mais qu'on s'est arrêté sur la moitié, à la moitié de cette bougie-là. Et donc, la probabilité de hausse sur cette semaine était extrêmement forte. Alors là, on est en train de remonter. L'idée est quand même d'attendre. Alors on va me dire, oui, il faut toujours attendre avec moi. Oui, c'est vrai, il faut attendre. Parce que c'est du NZD, que le NZD est une devise qui est très peu liquide. Je l'ai répété très souvent, donc qui est très dangereuse. Vous voyez que même en hebdomadaire, elle fait des mèches qui sont assez importantes. Donc on n'est pas du tout à l'abri pour cette semaine d'avoir encore que ça monte comme ça, qu'on arrive sur les 2,09 et que ça cale. Donc il va falloir impérativement attendre qu'on casse les 2,10. Vous voyez qu'ici, on a une droite de tendance. Il faut que cette droite de tendance casse pour qu'on puisse acheter. Alors, rien n'empêche d'acheter avant puisqu'on est sur l'hebdomadaire et qu'il y a quand même des points à prendre, mais vous savez que vous avez une droite de tendance ici, donc achetez oui, avec une sortie éventuellement programmée sur ce niveau-là, parce qu'il y aura correction. Vous voyez que c'est des points qui ont été touchés avant. Alors maintenant, en daily,
Voilà, on délie. La situation est la suivante. Aujourd'hui, on casse la Tenkan. Donc, vous voyez que les jours précédents, il ne se passait rien. Hein. Tous les jours précédents, vous voyez que le marché était quand même assez en range. Donc, il n'y avait pas de puissance. Malgré les indications qu'on avait justement sur le mensuel, on avait repris une baisse. Et là, on est reparti à la hausse. On a cassé la Tenkan violemment aujourd'hui. Donc, normalement, on devrait demain, hein, troisième bougie bleue, on devrait aller chercher la trend line demain. Donc, il y a encore un trade à faire pour aller chercher cette trend line. Après, vous voyez que la trend line ici n'est pas très forte, donc ça ira. On devrait avoir un niveau quasiment identique. Mais vous voyez que ma lagging span demain donc devrait être au niveau des nœuds 2,0950. Donc quand on dit avec Adriane qu'il faut attendre les 2,10 avant d'acheter, c'est la précaution qui est à prendre. À savoir que tant que la lagging span n'a pas passé cette droite de tendance, on n'est pas sûr du tout que le mouvement haussier perdure. Donc on attend ce niveau-là. On peut jouer un premier trade pour aller chercher la résistance, la droite de tendance, pardon, en surveillant la lagging span, mais on sait qu'il y aura un arrêt sur ce niveau-là. Donc, les plus audacieux peuvent quand même prendre ce trade-là en disant ça passera à un moment ou un autre, je suis patient, je mets mon stop, le stop il est sous la Tenkan, je mets mon stop et je joue. Maintenant, il y a des hauts, il y a des bas, ça monte, ça baisse. Faites attention, c'est du NZD et donc les mouvements peuvent être parfois violents. Donc, en H4, voilà la situation H4. Donc, quand j'ai tweeté ce matin, j'avais invité à faire attention, puisque au moment où j'ai tweeté, on atteignait la droite de tendance qui est ici. Donc, on avait deux bougies bleues, mais la droite de tendance passait par là. Et j'ai dit, attention, on a une droite de tendance, ça va caler. Et donc, vous voyez qu'on est en train effectivement de caler. On a fait une bougie rouge de correction. On s'est arrêté à la boîtier. On est en train là de faire quelque chose, à savoir, est-ce qu'on fait une correction en trois bougies? Le niveau à surveiller, c'est celui-ci. C'est 2,0673. Qui correspond à ce niveau-là, au maximum, on devrait descendre ici. Il ne faut pas qu'on descende en dessous de ce niveau-là pour qu'on maintienne ce mouvement haussier qui a décalé ce matin. Voilà, si on arrivait à descendre plus bas, ça serait plus embêtant. Bon, ensuite, on a un support ici, mais vous voyez que là, on commence à perdre beaucoup de points. Donc, ça remet un petit peu en cause la forte dynamique qui s'est entamée ce matin sur cette paire. Donc, dans le même ordre d'idée, nous avons le GBP/AUD. Donc le GBP/AUD aussi est haussier. Donc là, si on fait la théorie de bougie pure et simple, on est en train de construire un avalement. Mais vous voyez que donc on fait pour le moment, on a fait un plus haut par rapport à la bougie précédente, mais pas encore par rapport à ce niveau-là. Donc on n'a pas le signal d'achat ferme et définitif. Et vous voyez que par contre, le GBP/AUD est en avance sur le GBP/NZD, en sens où l'objectif final est déjà quasiment atteint. Alors c'est une idée de trading que j'avais donnée en fin d'année dernière, ça, le GBP/AUD, en disant, à mon avis, on ira chercher, tant que si la Tenkan tient, on ira chercher le haut du nuage. Vous voyez que pour le moment, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, on a eu un test très fort, donc en janvier, on est revenu tester la Tenkan. Vous voyez qu'on est remonté, et là, on est déjà sur une quatrième bougie bleue. Donc quatrième bougie bleue, on peut s'attendre éventuellement à une correction après, ou alors on va directement chercher ce niveau-là. Vous voyez que la lagging span est en train de pénétrer son nuage par le niveau faible, le même niveau que j'indique sur le GBP/NZD, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il serait bien qu'on démarre fortement pour que la lagging span puisse passer par le côté faible. Et vous voyez que c'est ce qu'est en train de faire le GBP/AUD. On a un côté beaucoup plus fort ici, faible ici, et c'est en train de passer par le côté faible ici. Donc l'objectif sur le GBP/AUD, c'est un cluster hein, qui se situe entre 2,08 ici et le haut pour la lagging span ici, qui est à 2,11 on va dire. Donc le GBP/AUD aussi est très haussier en daily. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la Tenkan. Vous voyez que bien que les prix à chaque fois aient tenté de casser la Tenkan, ça a été invalidé dès le lendemain. Donc là, c'est pareil, on attend les bougies suivantes. Alors, quelle que soit l'unité de temps, là, en l'occurrence, c'est du daily. Et vous voyez que là, après trois rouges, on pouvait s'attendre à une bleue. La bleue a recassé dans l'autre sens.
Donc c'est bon, ça a fonctionné. Là, pareil, on a à nouveau une rouge qui a bien cassé, qui a fait un nouveau point bas par rapport au point bas précédent. Mais vous voyez que le lendemain, alors ça, c'est ce qu'on regarde aussi quand le marché est en train de se dessiner pour savoir dans quel sens on part. Vous voyez que la mèche de cette bougie bleue est plus haute que le bas de la mèche de cette bougie bleue, pardon, est plus haute. Est plus haut que le bas de la mèche de cette bougie rouge. Donc là, on avait une indication haussière et donc on a bien clôturé au-dessus. Aujourd'hui, on démarre, on a à peine testé la Tenkan et on est en train de partir. Donc il va falloir surveiller la Tenkan si elle tient toujours. Pour le moment, ma Kijun est à l'horizontale, donc ça signifie bien que pour le moment, on est en range. Mais là, c'est pareil, on sera plus confortable pour acheter au-dessus des 2. Hein, de 2 AUD, donc 2 dollars australiens. Ensuite, donc le GBP/Yen. Le GBP/Yen. Alors, le GBP/Yen. Alors, on va mettre l'Ishimoku. Vincent est un grand lecteur de l'Ishimoku, comme vous pouvez le voir. C'est boule. C'est boule. Sans Ishimoku. Et avec Ishimoku, c'est toujours boule. Alors Vincent, il achète depuis ici. Je défends la tendance haussière depuis ici. Alors, il rectifie. Il défend la tendance haussière depuis ici. Il n'a pas acheté, en fait. Il regarde monter, il n'achète pas. Et après, il dit, zut, j'aurais dû acheter. Quelle andouille j'ai été. Ah oui, c'est vrai, on ne donne pas de conseils de trading. Tu as raison. Ce n'est qu'à but éducatif. Exactement. Voilà, donc faisons de l'éducatif. Donc, comme disait mon cher ami Vincent, c'est boule. Alors, voilà. L'information, elle est ici. Ça, c'est une information pure Ishimoku. Hop. J'ai tout foutu en l'air. Tu retrouveras ? Ça ne sauvegarde pas, de toute façon. Ah bon, d'accord. Ah, je peux faire ce que je veux. Bon, ça tombe bien. Donc, l'information ici, elle est là. La super information haussière, elle est ici. C'est-à-dire sur ces 3-4 bougies ici. Vous voyez que, en fait, les prix ici donc, sont rentrés dans le nuage. On a une cassure ici, donc signal d'achat qui a été difficile à matérialiser. On est monté chercher le haut du nuage. Et après, vous voyez, on a à nouveau cette configuration. Une bougie bleue, trois rouges dans la bleue et à nouveau une bleue. Mais la bleue, pareil, celle-là, qui ne va pas clôturer au-dessus de la bleue initiale. Donc c'est pareil, ça voulait dire que le mouvement, on restait bien dans la hausse. La hausse était bien, je dirais pas validée, mais était bien entamée. Mais on n'avait pas de concrétisation immédiate parce qu'on n'allait pas clôturer en haut de cette bougie-là. Et c'est ce qui s'est passé derrière. Vous voyez que même cette bougie-là, on est redescendu très fortement. Donc là, ici, on pouvait avoir une inquiétude. Par contre, point de vue Ishimoku, ce qui est intéressant, c'est que le twist là a résisté. Donc on a eu cette bougie là qui a tenté la sortie du nuage avorté, la petite ici qui ne fait rien, celle là qui tente, vous voyez, de percer ce twist juste derrière, et la Tenkan qui vient chercher le bas du nuage et qui est remontée dans la journée. Ici on a un test du haut du nuage et là aujourd'hui on est parti. Donc la lagging span elle est partie, et dans ce mouvement là c'est le moment où la lagging span a traversé sa Kijun. Donc ici vous avez la double confirmation. Première confirmation, le twist ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout envie de redescendre, le marché n'est plus baissier, et la lagging span qui valide de l'autre côté en cassant sa Kijun. Donc là, comme dit Vincent, n'est-ce pas, c'est boule, hein, ça monte. Donc là, le prochain niveau, il se situe à ce niveau-là, on va le chercher ici. Donc 185, 658, c'est le niveau à aller chercher pour le moment. Alors, en weekly, je ne l'ai pas regardé parce que c'est pas... Voilà, donc weekly, vous avez eu un super signal d'achat ici. Là, rien. Vous voyez, ce qui correspondait à mon carré, c'est ici. Hein, c'est la conso qui est eu ici. Et là, on est en train de repartir. Et donc, en H4. On va enlever le carré. Hop. Voilà, en H4. Tentative ici de baisse. Hein, c'est la grande mèche qu'on a en daily. Et vous voyez qu'on est reparti. Là, pareil, retentative. Vous voyez aussi l'importance d'attendre les clôtures de bougies, hein, vous avez des grandes mèches sur les actifs qui mèchent comme ça énormément. Ici, vous avez une grande mèche, vous voyez qu'à la fin des 4 heures, on était revenu en haut au-dessus. Donc, il ne fallait pas s'affolier, on est reparti. Et là, pour le moment, on est en conso. Et là, il semblerait que ça veuille à nouveau repartir.
Donc pour le GBP/Yen, on est acheteur. Pour le GBP/AUD, on est acheteur. Et pour le GBP/NZD, on est acheteur. On attend encore un petit peu certains niveaux pour validation totale. Alors, par contre, le GBP/USD, lui, ne fonctionne pas comme ses petits frères. Pourquoi ? Parce que... Alors, attendez, je suis en train de changer Chart Element. Element, hop, voilà. Ok. Et donc, un Ichimoku. Hop, voilà. Donc, le GBP/USD, vous voyez que contrairement au petit copain, il est en train de baisser parce que le problème, c'est l'USD. Dans ce cas-là, donc... Il a déjà l'information par rapport à hier, c'est que hier j'avais tweeté, il était repassé en dessous de sa Kijun, donc c'était plutôt une information baissière. C'est repassé au-dessus, là a priori il semble vouloir venir retester la Kijun. Alors est-ce qu'il va le faire dans la journée ou est-ce qu'il va s'arrêter là? S'il s'arrêterait là, ça serait effectivement une bonne information haussière. Par contre, s'il vient retester, il va falloir vérifier que ça tient bien. Donc vous voyez, là on est dans une incertitude sur le GBP/USD. Il faut attendre un petit peu. C'est le dollar qui met un petit peu, qui embrouille un petit peu les choses. Vous voyez qu'en en weekly, on a eu un bon mouvement aussi ici. Là c'est intéressant parce que donc sur nos trois bougies bleues, la quatrième a bien eu son rouge qui est venu tester la Tenkan et a bien rebondi à ce niveau-là. Mais là, vous voyez, on a encore des mèches baissières. Hein. Il y a encore des vendeurs dans le marché. On n'a pas du tout la même configuration qu'on peut avoir sur les autres devises, les autres paires énoncées plus tôt. Alors ici, j'invite aussi à faire attention avant d'aller chercher la Kijun à ce niveau-là qui devrait continuer à baisser puisqu'elle est en train de prendre ce mouvement de baisse en compte. Vous avez une forte résistance à 55-75 qui est la Kijun dans le prolongement de la SSB ici. Donc il va falloir faire attention à ce niveau-là. Vous voyez que ça correspond au point bas de ces prix ici. Ça pourrait freiner les prix à ce niveau-là. Donc le GBP/USD est un peu plus délicat à trader. Si on veut jouer la hausse du GBP, je conseille vraiment d'aller sur GBP/NZD, GBP/AUD, voire GBP/Yen. Bon, personnellement, je n'aime pas trop les paires en Yen. Parce qu'elles sont un peu plus erratiques. Le GBP/USD, pour le moment, je suis pas forcément très confiante sur cette paire-là. Dans l'immédiat, disons que je n'ai pas de conviction forte. Vous voyez qu'en 4 heures, j'ai un fort support qui est là. Donc si éventuellement on veut vraiment acheter, on peut acheter. Mais le stop ne sera pas plus bas que celui-là. Pourquoi ? Parce que si on venait arriver à casser ça, ça veut dire qu'on cassera le nuage derrière. Et donc auquel cas, ça sera fortement baissier. Donc un stop se situera à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'il ne fait pas grand-chose, le GBP/USD. Il a une grande impulsion et derrière, il ne fait plus rien. Il marche par impulsion. Ici, il a eu une impulsion baissière, plus rien, une impulsion haussière, plus rien derrière. Donc, deux lectures comme ça, brut de fonderie, ce n'est pas du tout un actif sur lequel j'aurais envie d'aller. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions pour voir s'il y a des actifs en particulier que vous voulez regarder maintenant que j'ai fait le point sur les GBP. Bonjour du Québec, c'est gentil ça de m'écouter depuis le Québec. Alors visiteur me demande quels sont les réglages sur l'Ichimoku. Les réglages sont les réglages de base 9, 26, 52 et il n'y en a pas d'autres. Ah oui, donc le N-gaz, donc je le regarderai plus tard. Alors, quand on peut prendre position sur le GBP/Yen, ben je l'ai annoncé tout à l'heure, hein, pour prendre position sur le GBP/Yen, vous attendez les validations nécessaires. Faites attention, c'est une paire qui bouge énormément. Alors, les croisements clés, alors de la part de Darius, quels sont les croisements clés cassures validant une tendance? Alors, c'est pas valider des tendances, c'est valider des idées, des stratégies d'achat ou de vente. Ce qu'il faut regarder, c'est la cassure de la Kijun. C'est la droite qui va vous donner le signal d'achat ou le signal de vente sur une paire, avec test derrière. Toujours, il faut toujours tester cette cassure.
Donc, vous avez une cassure, c'est un achat. Vous avez une cassure dans l'autre sens, c'est une vente. C'est pour ça qu'en général, les stop loss vont se mettre par rapport à cette droite-là. Alors, je ferai sans doute un webinaire un jour sur comment placer ces stop loss avec l'Ichimoku, parce que c'est une question que me posent beaucoup de personnes. Et ce n'est pas aussi simple que ce que je viens d'énoncer. C'est-à-dire que le signal vous est donné. Ici, vous avez un signal d'achat, donc vous êtes acheteur. Donc, qu'est-ce qui va invalider votre idée d'achat? Ce sera un signal vendeur. Donc, le signal vendeur, il va venir d'une cassure inverse. Donc, logiquement, il faudrait mettre son stop juste sous la Kijun en disant, bah, si ma Kijun est retraversée, à ce moment-là, mon idée acheteuse n'a plus lieu d'être. Donc, on va effectivement retenir cette idée principale sur l'unité de temps sur laquelle on va faire sa stratégie. Maintenant, en fonction de la paire de devises ou de l'unité de temps sur laquelle on est, on ira sans doute chercher des niveaux sur les UT inférieurs, voire supérieurs, si on est sur des temps beaucoup plus longs. Donc ce n'est pas très facile de dire où on met son stop. La seule chose ici que je peux dire, c'est que là j'ai un double support. Tenkan plus Kijun, donc c'est un support qui est fort, c'est du H4, donc en général le H4 donne de très bons supports et résistances, et que en plus derrière j'ai un nuage, donc c'est toute cette zone là est support. Donc effectivement, si mes prix avaient tendance à vouloir recasser ce niveau là je ne dis pas qu'il faudrait vendre, mais en tout cas si on était acheteur, c'est un bon endroit pour mettre son stop, parce que là c'est très clair. D'autres configurations ne seront pas aussi claires. Et là, vous avez en plus la conjonction avec la lagging span qui, elle, si mes prix descendent, donc la lagging span va descendre, et vous voyez que son support à elle va être à ce niveau-là, qui est dans le prolongement quasi de ces deux droites-là, qui est dans le prolongement du haut du nuage. Donc on aura la concomitance entre les prix et la lagging span qui arriveront sur le même niveau de support. Donc effectivement, si je dois mettre un stop loss, il sera à ce niveau-là, il ne sera pas, ailleurs. Donc l'or, alors le visiteur me demande si l'Ichimoku est applicable pour de l'intraday 1h-4h daily. Alors c'est plus de l'intraday hein, quand on est en daily. Oui, moi je trade avec l'Ichimoku sur 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Donc l'Ichimoku s'adapte à toutes les unités de temps. La lecture va être un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre forcément les mêmes signaux ou attendre les mêmes choses, mais l'indicateur marche absolument sur toute unité de temps. C'est un indicateur comme une moyenne mobile, ça marche sur toute unité de temps. Je vais faire le WTI. Alors, le WTI. Voilà. Hop. Alors, donc le WTI, il est toujours dans sa zone. Il est toujours dans une zone potentielle de renversement. On va dire qu'il est un petit peu fatigant. Alors là, c'est pas ma plateforme. Donc, si vous suivez mes tweets, vous verrez que on a deux niveaux. Alors, je vais peut-être les replacer. Voilà. Donc, là, on a une extension. Ah, c'est quoi ça? Hop, cancel. Expansion, voilà. Tu l'utilises pas l'extension de Fibonacci? Non, c'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que le 0618. Ah d'accord. Parce que j'entends de me dire. Pourquoi ça a mis ça? Voilà. Donc on a un niveau ici, on a en fait deux niveaux ici. On a un niveau Fibo d'extension à 0,618 et pour le moment les prix sont
coincé sur ce niveau-là et n'arrive pas à en sortir. Et vous avez le retracement, je ne vous mets pas parce que ça va vraiment brouiller l'écran, mais vous avez un autre, vous avez le niveau ici, Ishimoku, qui correspond à un niveau de retracement aussi Fibonacci, de je ne sais plus combien. Donc là, vous voyez que les prix actuellement sont coincés dans cette zone-là et n'arrivent pas à en sortir. Donc on a eu une forte baisse, c'est coincé pour le moment. Et il n'arrive pas à décoller. À chaque fois que ça tente, ça, le mouvement cale. Voilà. Alors, le mouvement cale. Le mouvement cale. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a un gros nuage au-dessus en délit et ça n'arrive pas. Les prix n'arrivent pas à monter. Donc, vous voyez, ma zone, elle est ici et ici. L'Akijun est pile au milieu, hein, on ne peut pas faire mieux, donc c'est vraiment le niveau de support. Vous voyez qu'il est testé a été testé un bon nombre de fois, encore aujourd'hui on est allé le tester, hein, on tente et paf, on est en train de remonter. La Tenkan est en train de pénétrer le nuage, donc ça serait plutôt bon signe, mais voilà, les prix eux par contre sont toujours entre ces deux niveaux là. Et ce qu'il faut voir ici, c'est ça, c'est que la lagging span elle est toujours en dessous de Sakijun. Donc tant que la lagging span ne traversera pas Sakijun, il n'y aura aucune validation haussière sur le WTI. Par contre, si la lagging span, elle, ça commence à s'attaquer au prix, vous voyez que le niveau à ne pas franchir, c'est les 47,71. Si les prix franchissent les 47,71, donc ça sera la lagging span qui donnera à ce moment-là le verdict. Là, on redeviendra fortement baissier, puisque les prix auront, eux, de leur côté, déjà traversé la Kijun. Donc, on reviendra baissier pour aller tester ce niveau-là. La cassure de ce niveau-là sera une vente. Maintenant, si on part sur un scénario haussier, puisqu'il faut toujours avoir deux vues des choses, pour le moment, je dirais que tant que la Kijun tient, hein, c'est-à-dire sur les niveaux des 49$ approximativement, tant que ce niveau-là tient, on n'est pas vendeur. Maintenant, est-ce qu'on est acheteur? Non, on n'est pas acheteur tant qu'on ne dépassera pas les 51,60. Maintenant, rien ne vous empêche de yoyoter, de faire des allers et des retours entre les deux. Pour ceux qui veulent faire du un peu plus long terme, on n'achètera que au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut que la lagging span passe Sakijun et donc ce niveau ici qui correspond, tout à l'heure je vous l'ai montré sur le daily, qui correspond à un niveau de nuage de l'autre côté. Il faut passer impérativement au-dessus. Tant qu'on ne passe pas au-dessus, on n'est pas acheteur sur le WTI. Si on passe là-dessous, on sera vendeur avec précaution, c'est-à-dire qu'on peut initier une première partie de vente sur les 48,91, renforcée sur 47,71 si ça casse. Vous voyez que la lagging span, là, elle a quand même un mur de prix, ce n'est pas facile. C'est on va dire une zone de support qui est intéressante, hein. On a ce niveau là les bougies plus la Tenkan. Donc pour la lagging span, on va dire honnêtement qu'il serait plus facile pour elle d'aller casser la Kijun que passer par là. Donc on serait plutôt avec un biais acheteur, compte tenu du fait que les bougies par dessus le marché sont au dessus de la Kijun. Donc le WTI, on reste extrêmement prudent. Alors en H4, vous voyez, en H4, on est venu chercher la lagging span, est venu chercher le bas du nuage, tenter de ressortir à nouveau avec la mèche ici. Vous voyez qu'elle est descendue beaucoup plus bas, on est revenu à niveau, elle est en train de remonter. Donc, elle va dans l'hypothèse où le pétrole continuera à monter, vous voyez qu'effectivement, elle a de la marge à la hausse, mais il y a des résistances. Hein. On a une Kijun qui est ici. Alors, on a effectivement un twist là, mais après, vous avez une grosse bougie rouge qui est là, à ce niveau-là. De l'autre côté, eh bien, vous avez une résistance à 51,06. Et vous voyez que l'aspect un peu négatif du schéma, c'est la Kijun qui est en train de sortir aussi de son nuage par le bas. Donc pour le moment, on est quand même dans un schéma baissier. Même si pour le moment les prix semblent remonter, on reste dans un schéma baissier. Donc j'invite à la grande prudence sur le pétrole. Non, c'est pas ici. Ensuite, donc le gaz, parce qu'on va rester dans les matières premières. Alors le gaz. Alors, en H4, le gaz est en train de donner un signal acheteur puisqu'il est en train de casser sa Kijun, mais vous voyez qu'il ne devrait pas aller très loin puisqu'il a sa Tenkan qui est à ce niveau-là et qu'il a quand même bien corrigé assez profondément ici. Donc, je ne serai pas forcément très acheteuse sur le gaz. Alors, en hebdomadaire, vous voyez qu'on est coincé. On est coincé sous la Tenkan, donc en hebdomadaire pour le moment on n'a absolument aucune invalidation de la tendance baissière qui se trouve ici. Hein, on n'a pas d'alerte haussière pour le moment. Alors on n'est que mardi, on a deux bougies bleues, on pourrait s'attendre à avoir une troisième bleue, donc une cassure de Tenkan. C'est possible, c'est à surveiller, donc il faut surveiller le niveau des 2 954.
et en délit. Voilà, en délit. Donc hier, cassure de Kijun, mais vous voyez que c'est pas cassure de Kijun en fait, c'est la Kijun qui est descendue. Hein, les prix ont continué de monter, ils continuent sur leur trend line, sur leur trend haussier, mais c'est la Kijun qui est descendue. Donc de fait, on a cassé. Ceci dit, la cassure a quand même été validée hier, puisque les prix sont restés au-dessus et sont surtout restés au-dessus de leur Tenkan. Aujourd'hui, on a eu une tentative là, de cassure de Tenkan. On n'est pas allé chercher la Kijun et la droite de tendance qui est ici, donc c'est plutôt positif et on est en train de repartir. Donc le gaz en daily, il n'y aurait pas d'achat à faire avant les 2,976, c'est-à-dire qu'il faut impérativement reprendre ce niveau-là. Et pourquoi reprendre ce niveau-là? Parce qu'il faut aussi que la lagging span de son côté passe. Et elle passera, ses prix, normalement, elle devrait, hein, on peut espérer, elle devrait passer ici. Il y a une possibilité de passer à ce niveau-là. Donc effectivement, on pourrait avoir une idée un peu haussière ici. Mais vous avez à nouveau une résistance qui est à ce niveau-là. Alors j'attire votre attention sur cette droite, donc la Tenkan, où je dis souvent que c'est une droite faible dans le système. C'est vrai puisque ce n'est pas elle qui donne les signaux d'achat et de vente, c'est la Kijun. C'est pas elle qui fait les plus forts supports résistance. Elle n'est là que pour donner des alertes et elle peut être très souvent traversée ici, vous voyez, de nombreuses fois. Par contre, elle devient une droite très forte quand elle est associée avec la lagging span. Une Tenkan qui refuse le passage d'une lagging span, c'est une information très forte. Donc c'est pour ça qu'ici, pour ceux qui sont un peu téméraires, qui sont un peu agressifs, effectivement, avec cette configuration-là, peuvent envisager d'acheter. Donc un TP à 2,97, le TP suivant serait à 3,069. Il faudra bien attendre la validation de la cassure de ce niveau-là par la lagging span si on veut penser à une hausse plus pérenne. Alors vous verrez quand même qu'on a un nuage au-dessus, hein. Donc le gaz peut monter, je ne crois pas à une tendance de fond, un renversement de tendance de fond. Pour le moment on est en tendance baissière, on est toujours en dessous de la Kijun, on est en dessous du nuage, donc pour le moment fondamentalement on est baissier. Donc nous sommes en correction, hein, si vous prenez le weekly donc qui donne la tendance générale, vous voyez bien que de toute façon, tant qu'on est au-dessous de la Tenkan, on est bien baissier. Là, on a eu une tentative ici, ça n'a pas fonctionné, et on est bien toujours baissier. Et en H4, donc on a bien la confirmation là, enfin une confirmation, on va dire une idée haussière, mais vous voyez que le prochain obstacle se situe déjà à ce niveau-là. Donc il n'y a pas franchement de puissance haussière dans le gaz, mais il n'y en a plus à la baisse non plus. Donc j'ai envie de dire, on fait autre chose que du gaz. Alors le DAX. Le DAX gère. Alors le DAX. Alors je ne suis plus trop les indices actuellement parce que je trouve qu'ils sont compliqués. C'est une certaine prise de tête avec en Europe avec la Grèce, etc. Et quand je vois des bougies comme ça, ça me conforte dans l'idée que pour le moment c'est à oublier. Donc comme le DAX, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas regardé, je vais quand même le regarder ici. Non. Voilà. Donc, le DAX, clairement, il est haussier. On ne peut pas dire le contraire. Depuis la cassure du top de 2014, comme Vincent vous l'a si bien écrit. Le 16 janvier, précise-t-il. Vendredi 16, c'était pas vendredi 13, c'était sûr. Vendredi 16, 2014. Voilà, janvier, à 2015, nous avons cassé le top de 2000, signal d'achat major. Voilà, il était en avance d'une semaine sur tous les autres. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire, Vincent? C'est bon. Donc, nous avons bien une progression haussière. Voilà, je ne peux pas dire grand-chose d'autre. La cassure, comme dit Vincent, était un signal d'achat, donc on est acheteur. Alors en Ishimoku, vous pouvez constater qu'on ne peut absolument rien dire, puisqu'on a une lagging span qui monte, on est largement au-dessus du nuage, on est largement au-dessus de la Tenkan, largement au-dessus de la Kijun. Le seul truc, c'est qu'on peut dire que voilà, c'est en train de se mettre à plat. Bah, pour le moment, c'est ce que la bougie est en train de nous dire, hein, c'est pas vraiment un scoop. En daily, le mouvement se calme un peu, mais vous voyez quand même que... c'est franchement erratique.
Hein, un couche monte, un couche baisse, voilà. Et là, j'ai monté tranquillement. Tout d'un coup, alors que on avait trois bougies, donc on aurait pu effectivement s'attendre à une rouge derrière. À l'arrivée, on a eu une belle envolée bleue. Donc, on peut supposer que le 20 février, où il y a eu une grande mèche ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Je sais plus ce que C'était c'était quoi. l'expiration des contrats d'option à 13 h. Ah, c'était l'expiration des Ouais, contrats c'était les d'option trois à 13 h? sorcières, on va Ah, dire. c'était ça? Ouais. Ah, d'accord, ok. J'étais toujours en vacances, alors désolé, je suis pas vraiment au courant. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette Non, fameuse c'est grande pas, c'est mèche là pas qui a très été. gentil. Ah, d'accord, Pas du tout, j'ai c'est vu un ça, mais c'est c'était une expiration. hallucinant. Ah, d'accord. C'est une expiration. C'est des expirations, d'accord, ok. Et donc voilà, on aurait pu s'attendre à une rouge. Bon, à l'arrivée, c'était une bleue. Hier, il n'a rien fait. Là, aujourd'hui, manifestement, il ne se passe pas grand-chose non plus. Donc j'ai envie de dire. Moi, quand je regarde ouais, c'est celui-là, le 20, c'est celle-là, voilà, la fameuse mèche hallucinante. Hein. Donc voilà, c'est monté derrière. Vous voyez, par contre, on n'arrive pas à dépasser pour le moment les niveaux plus hauts. Alors le DAX, j'ai pas grand-chose à dire, hein, parce que je vous dis que je ne les suis plus trop, et en particulier en ce moment où, voilà, avec le dossier grec, c'est assez difficile, puisque là, on parle en l'occurrence de l'indice allemand. Donc c'est assez difficile. Je pense qu'à part faire de l'intraday, il n'y a pas grand-chose à faire. Et encore, en intraday le 20 février, on aurait eu un petit peu la trouille, hein, si on s'était retrouvé dans cette mèche-là. Ah oui, c'est ça. C'était quand même pas top. Hein. En 1 heure, on avait quelques frissons. Alors quand je regarde en 1 heure, je fais la lecture de marché, la brute de fonderie. Et quand je vois ça, je dis non, je vais voir ailleurs. Voilà, tout c'est aussi simple que ça. Ça, c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent. Ce genre de marché-là, c'est pour perdre de l'argent. Ça va à 12 000? Ouais, ouais. D'accord, ça va à 12 000. Bon, ça va à 12 000. Bon, voilà. Bon, non, mais moi j'avais 11 800 dans mes pronostics. Non, tu vas à 12 000. Tu connais quelqu'un qui short? Non, on connaît personne qui short. Tu short, Adriane? Non. Donc voilà. Donc conclusion, on ne fait rien parce que franchement ça ressemble à rien. On ne short pas et on achète parce que Vincent a dit que ça allait monter à 12 000. Voilà, ça c'est l'analyse du DAX. Alors ensuite, quelqu'un me demande. L'AUD-USD. Alors, AUD-USD. Il y a des moments où il faut savoir en fait rester en dehors des marchés. Et là, je considère que sur les indices, c'est un petit peu le cas. J'ai même le SP que je suis beaucoup plus. Pour le moment, ne fait pas grand-chose, enfin, ne donne pas de tendance. C'est-à-dire que vous avez des mouvements, mais c'est vraiment très mou. Et ça n'incite absolument pas à être dans le marché. Sauf à vouloir perdre de l'argent. Il n'y a a priori pas tellement le but du jeu. Alors, l'AUD-USD. Non, je voudrais juste enlever le rectangle. Voilà, parce qu'on ne le voit pas. Voilà. Donc, l'AUD-USD, ça c'est du H4, on va le mettre en weekly. Alors, en weekly, pour le moment, il est baissier. Vous voyez qu'il est en range. Hein, il ne fait pas grand-chose pour dire que même qu'il fait franchement rien. Il est sur un niveau de résistance là. On a eu deux doji ici qui ne sont pas confirmés. Ils auraient pu être confirmés la semaine dernière, mais vous voyez que cette semaine, on est en train de repartir dans l'autre sens. Donc clairement, l'AUD-USD, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on prend en daily, alors ça sera la même remarque que j'avais sur le DAX tout à l'heure en 1 heure, c'est-à-dire que quand je vois ce genre de choses, je dis, on va attendre qu'ils prennent une décision. Pour le moment, les prix sont coincés entre la Tenkan et la Kijun et la droite de résistance qui est ici. Et cette droite de résistance là correspond en plus au bas du nuage. Le nuage est en train de se mettre à l'horizontale, donc ça montre vraiment bien qu'on est dans un range si on ne l'avait pas bien compris. Hein, c'est écrit ici, on est dans un range. Il n'y a strictement rien à faire sur cette paire-là. Et en H4, pardon. En H4, là on a une information intéressante avec la trendline qui est tracée ici. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu un signal vendeur. Là, vous voyez, quand on dit quelquefois, quand on regarde et qu'on dit il se passe rien, enfin, c'est un marché qui est dangereux à l'arrivée. Vous voyez qu'ici, vous avez un fort signal vendeur qui est totalement invalidé 4 heures derrière. On remonte, on va chercher la résistance. Fort signal vendeur, il ne se passe rien derrière, on repart. Fort signal vendeur ici, puisqu'on casse on va dire, par le passage faible du nuage. Hein, le twist est un petit peu là, mais enfin, bon, grosso modo, c'est par le twist. Avec la lagging span qui, elle aussi, passait, donc on était en train de casser un niveau intéressant, et à l'arrivée 4 heures derrière la bougie suivante, donc c'est la bougie de 10 heures, ça a été à nouveau invalidé. Et là, bon, pour le moment ça végète, voilà, on est en attente. Alors l'invalidation, elle vient d'ici, vous voyez la lagging span qui est descendue
Alors, il faut bien voir ça, c'est que la mèche ici de cette bougie-là, donc la mèche de 6 à 10 heures, on est descendu jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que la lagging span est descendue chercher Lucky June qui était doublée du bas du nuage et elle est finalement revenue clôturée juste au-dessus. Donc là, pour ceux qui font de l'intraday, c'était effectivement un signal d'achat qu'on allait faire une correction. C'était un petit peu litigieux en sens où on avait déjà que deux rouges, c'était quand même deux fortes bougies. Personnellement, moi je serais pas rentré, j'aurais attendu, et là je pense qu'on va peut-être repartir pour faire cette troisième rouge qui manque. Mais on a un support encore qui est ici, hein. Le support est remonté puisque là la traîne remonte, donc le support remonte. Alors si on casse vraiment ce support là en clôture de bougie, donc d'où à chaque fois quand je publie des analyses aussi bien sur Twitter qu'à l'écrit, il faut toujours lire en clôture de bougie. Pourquoi ? Parce que si on casse ce niveau-là en clôture de bougie, on aura effectivement bien un signal baissier. Mais vous voyez que pour le moment, la UDUSD ne sait absolument pas ce qu'il veut faire. Voilà, donc si je le regarde en une heure... voilà, donc là vous voyez, on a un très beau signal vendeur ici, on est remonté, chercher la Lucky June, on fait rien, on reste sur le bas du nuage, re-signal vendeur très puissant à ce niveau-là, donc ça c'était cette nuit, on a eu la même chose sur le NZD, plus rien après, on continue la vente ce matin, et là on est en train de retracer, donc clairement c'est un marché indécis. Je pense qu'il vaut mieux ne pas rentrer dans ce marché. Vous voyez, en une heure, voyez en plus les mèches qu'il est en train de faire, c'est un marché qui est très indécis, donc on oublie cette paire. Alors, visiteur me pose une question en me demandant quelle zone j'appelle une zone faible. Une zone faible, c'est ça, c'est-à-dire quand on a un nuage qui est petit, c'est ce qui représente une volatilité qui était faible 26 périodes en arrière. Donc ça, c'est une zone faible. Là, vous voyez que votre nuage, il est beaucoup plus épais. Là, on est remonté, on a buté sur une SSB qui est très longue, donc qui est par contre là une résistance forte. Et on a buté, on a fait une tentative pour aller chercher la Lucky June, mais on est resté parce que le nuage ici est très épais. Donc là, j'ai une zone de résistance qui est très forte. Ici, c'est un passage faible. Donc si on avait eu une velléité à ce niveau-là, par exemple, pas ici, mais par exemple à ce niveau-là, au lieu de continuer à descendre, si on avait une velléité de repasser la Lucky June, là, on aurait pu se dire, ah, attention, j'ai une zone faible ici qui continue un petit peu par là. Donc là, j'ai une zone où si les prix arrivaient à casser cette résistance majeure, on pourrait avoir une chance qu'on repasse de l'autre côté et qu'à ce moment-là, on affiche une reprise de tendance haussière, c'est-à-dire qu'on inverse ce mouvement de tendance baissier qui est ici. Donc voilà ce que c'est qu'une zone faible. Alors, de la part donc de visiteurs, excusez-moi, je suis une débutante de Prague, c'est pourquoi j'ai des questions naïves et c'est la première fois que j'entends parler d'Ichimoku. Il n'y a pas de questions naïves, hein, vous posez vos questions et c'est comme ça que l'on apprend. Alors, la part de Gérald, qu'appelez-vous test derrière? C'est-à-dire que toute cassure, que ce soit en Ichimoku ou en chartisme classique, une cassure appelle un test. Pourquoi? Ça veut dire que les prix, on casse un niveau qui est un niveau d'importance, puisque ça peut être un support, une résistance, une droite de tendance, donc ça correspond à quelque chose, à un mouvement, à un tracé d'un mouvement des prix, on va dire. Si on casse ce niveau-là, ça veut dire que le marché donne un signal. Maintenant, est-ce que c'est un signal qui est vrai ou est-ce que c'est un signal simplement impulsif qui est dû par exemple simplement à une news ou qui peut être dû à quelque chose qui tombe dans le marché qui va provoquer ce mouvement-là? Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut attendre le test derrière. Là, par exemple, vous avez une forte cassure ici. Vous voyez qu'on était en tendance baissière ici. On rentre dans le nuage, on casse la Lucky June et on sort du nuage. Il fallait attendre la validation derrière. Que représentait ce mouvement le 19 février à 16h? J'en sais rien, je ne sais pas s'il y avait une stat, s'il y avait quelque chose sur la UD ou sur l'USD, je n'en sais strictement rien. Quand je lis le marché, la seule chose que je vais voir, c'est ça, c'est ici j'ai un déclencheur, j'ai quelque chose qui m'a fait monter les prix et casser des niveaux stratégiques, que ce soit, je vous dis, Ichimoku ou autre, peu importe, des niveaux stratégiques, est-ce que ce niveau va tenir? Et bien, vous voyez que derrière, non, le niveau ne tient pas. Donc en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre
pour déclencher une opération, on va attendre une cassure et le test derrière pour valider le fait que là, il fallait bien que j'achète. Là, on me disait d'acheter, est-ce qu'il fallait bien que j'achète? Eh bien non, finalement, il ne fallait pas que j'achète. L'achat, il se faisait là après. Alors, par moment, le test ne se fait pas. Là, c'est un cas, on a cette bougie qui casse ici et la deuxième qui passe. Le test va se faire sur la bougie suivante. Justement ici, le fait qu'on ouvre proprement et sans mèche veut dire qu'on ne va plus tester cette droite-là et que par contre, on ira casser directement la droite qui est au-dessus. Donc on a bien cassé la droite qui est au-dessus, qui en l'occurrence est une SSA, le haut du nuage. Par contre, vous voyez que là, ce test-là, on est venu le faire, on est venu chercher. Là, après, là, on part et vous voyez qu'on revient tester sur les bougies ici. On reviendra toujours chercher les tests. On reviendra toujours, chercher la cassure, valider la cassure. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se précipiter quand on va avoir une cassure, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'unité de temps, parce qu'à un moment ou à un autre, on va revenir. Alors, effectivement, quelquefois, c'est frustrant pour le trader, parce que la cassure peut être sur un mouvement très impulsif. Donc, on peut avoir 2-3 bougies d'affilée qui vont faire 100, 200, voire 300 points. Et on se dit, zut, je ne suis pas dedans parce que j'ai attendu la validation, donc le pullback de test de cassure, et il n'est pas venu. Et donc, les 200 points, je ne les ai pas parce que j'étais pas dedans. C'est pas grave, il reviendra un moment. Donc, vous allez attendre la fin du mouvement, et là, à ce moment-là, vous allez jouer la correction, parce que correction il y aura, parce qu'on reviendra chercher la cassure. Donc c'est aussi un moyen de trader, de façon assez sereine, en disant mon test n'a pas été fait, on va le faire maintenant. Alors effectivement, on est peut-être monté en 2 ou 3 bougies, on va descendre avec 15 bougies, donc il va sur la même unité de temps, donc il va falloir un peu de patience, mais on reviendra chercher ce niveau-là. Et à ce moment-là, comme on sait ce qui s'est passé avant, quand on va revenir chercher ce niveau-là, si on voit que ce niveau-là tient, à ce moment-là, on pourra reprendre l'achat qu'on a loupé la première fois. On va le reprendre. Alors, le mouvement va être plus lent puisque l'impulsion a déjà été donnée. Mais là, on sait que par contre, il sera beaucoup plus long, il sera beaucoup plus pérenne. Ça veut dire qu'on a cassé un niveau charnière, un niveau clé, et on repart, on l'a testé, c'est bon, je suis bien, si on a cassé la hausse, par exemple, je sais bien haussier, le marché est haussier. Et là, on ne prendra plus 200 ou 300 points, mais on en prendra peut-être 500 ou 600. Donc, bien des traders choisissent l'optique d'attendre ces validations. Un, pour éviter les mouvements de ces types-là, où je rentre, je sors, enfin je casse dans un sens et je recasse dans l'autre et je ne sais pas trop ce que je veux faire. Vous voyez que là, quand même, c'est sur du 1 heure. On a eu deux très beaux mouvements. Celui-là, on ne pouvait rien en faire puisqu'il revenait au mouvement suivant. Donc, vous n'étiez pas à l'abri du tout qu'on reparte sur du rouge derrière. On ne peut rien faire. Là, vous aviez ce mouvement-là. Ok, il est très beau, il est superbe. Là, le fait d'avoir attendu derrière, eh ben, vous avez évité de rentrer dedans et vous avez évité de perdre toutes ces heures à strictement rien faire et de pouvoir attendre plus loin. Donc ça, c'est le principe général, attendre les tests. Et c'est valable quel que soit l'outil d'analyse chartiste. Vous avez une trend line, vous avez un niveau FIBO, vous avez tout ça, des niveaux clés qui cassent, il faut les valider pour que le mouvement soit pérenne derrière. Sinon, ce n'est qu'un bruit de marché. Dollar index, je ne le regarde pas. Alors, a-t-on besoin d'ajouter la moyenne, de la part de Joseph, la moyenne mobile 20? Non, on n'a pas besoin d'ajouter des moyennes mobiles sur l'Ishimoku. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous avez alors, c'est pas une moyenne mobile puisque ce sont des points moyens. 9 périodes et 26 périodes. Donc, en fait, la moyenne mobile 20 correspond quasiment à cette droite qui est sur 26 périodes. C'est point moyen de 26 périodes. La moyenne mobile 20 correspond quasiment à cette droite là. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose à part, comme je l'ai mis tout à l'heure, un Fibonacci quand on est hors zone, c'est-à-dire quand on n'a plus rien au-dessus, ou même là, par exemple, si je veux savoir où descendre mes prix, si je ne change pas d'unité de temps, je ne sais pas où peuvent descendre mes prix. Donc à ce moment-là, je vais utiliser un Fibo quand on est sur le pétrole et qu'on est déjà tout en bas. Non, le pétrole, je ne sais plus. Quand on est déjà sur le pétrole et qu'on est tout en bas, on est obligé d'utiliser un Fibo pour savoir qu'on n'est que sur les 0,886 et qu'en fait, on peut encore aller chercher les 100%. Quand on est sur le GBP/USD, c'était la même chose. On s'est arrêté entre 0,886 et 786 d'extension de Fibonacci. Et donc, tiens, il y a quelque chose qui est en train de tomber dans le marché, là, 16 heures. C'est Janet Yellen, donc c'est l'USD qui est en train de travailler, alors. Et donc, quand on arrive sur des extrêmes à la hausse ou à la baisse, effectivement, on va peut-être mettre du Fibonacci pour essayer de trouver quelque chose par rapport à l'Ishimoku. Mais on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, tout est écrit là-dessus.
Alors, de la part de Joseph toujours, doit-on l'utiliser seul? Vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez l'utiliser avec d'autres indicateurs. Comme je viens de le dire, on peut mettre de Fibonacci, on peut mettre comment ça s'appelle, les fourchettes d'Andrews qui vont donner des canaux de régression. On utilise toujours des droites de tendance. On peut céder d'Elliott, par exemple, pour faire des décomptes, dire bon bah voilà, on est. Ouais, le dollar monte, s'il a eu des baisses, c'est que le dollar monte. Donc on peut aussi mettre de l'Elliott en disant, voilà, j'ai fait une vague 1, une vague 2, et puis là, je suis en train de faire une vague 3 baissière avec une 1, 2, 3, donc j'ai une 4 à faire haussière, donc ça peut vous donner des idées. Donc on peut utiliser d'autres choses comme ça, mais remettre, ça c'est d'autres outils plus généraux, mais aller remettre une moyenne mobile ou des choses comme ça, vous êtes en train de faire des doublons avec ce qui est déjà écrit. Et plus vous allez en mettre, plus ça va devenir compliqué à analyser, donc ce n'est pas la peine. Après, c'est vraiment, j'irais, pour le trading, il faut se contenter d'une seule chose. Après, c'est pour l'analyse où effectivement on peut rajouter des fois, parce qu'il va y avoir une pertinence, notamment avec Ichimoku. J'ai quelqu'un qui est en train de travailler entre Ichimoku et point pivot, et effectivement, il y a quelquefois certaines concordances entre un point pivot et une Kijun, par exemple. Donc, quand vous avez une Kijun qui tombe en même temps que le point pivot du jour, bah, vous pouvez vous dire que ce niveau-là est d'autant plus fort. Donc, ça peut vous conforter, mais il ne faut pas en rajouter sur le principe de dire ah bah, que me disent les points pivots, que me disent les bandes de Bollinger, que me disent je sais pas trop quoi. Enfin, bon, on peut imaginer tout et n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, ça va vous embrouiller la tête et vous ne pourrez plus prendre de décision. Donc, vous allez prendre la mauvaise décision qui vous fera perdre. Il faut rendre le trading le plus simple possible pour pouvoir être le plus réactif possible quand il va se passer quelque chose. Si on complexifie, donc l'USD est en train de monter. Donc, si vous complexifiez trop votre panel de décision, quand au départ vous rentrez dans votre marché, que vous avez tout étudié, vous avez étudié tous vos indicateurs et qu'ils vous disent ok, là c'est bon, on peut rentrer, vous allez rentrer, c'est bien. Vous avez déterminé votre stop loss, vous avez déterminé votre objectif, donc tout est parfait, tout est nickel. S'il se passe quelque chose dans le marché, pas forcément prévu, c'est-à-dire c'est pas une stat, c'est quelque chose qui tombe à un moment donné dans le marché ou un ordre un peu plus gros qui va passer, qui va chambouler les choses. Si votre système de décision est trop compliqué, vous ne pourrez pas réagir. Alors soit vous cliquez, vous sortez à tort, parce que ça ne peut être qu'un événement ponctuel qui ne remet pas en cause votre décision suivant l'unité de temps sur laquelle vous vous trouvez. Ou alors, vous allez rester parce que votre système de décision est trop compliqué et vous ne verrez pas qu'en fait le marché est en train d'invalider votre stratégie. Et donc par conséquent, il faut avoir le système le plus simple possible pour pouvoir réagir le plus rapidement possible et de façon la plus automatique possible. Donc effectivement, utiliser l'Ichimoku tout seul présente l'avantage de n'avoir que ça. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis sur la UDUSD, Janet Yellen est en train de parler, le dollar, c'est le dollar qui est impacté, évidemment, à cette heure-là, c'est pas la UD, et vous voyez qu'on a eu une forte mèche, et là, voilà, qu'est-ce que je vois, on est en train de remonter au-dessus de la Tenkan. Donc là, ce que je suis en train de surveiller, si j'étais en position acheteuse, parce que j'avais eu cette cassure avant, que là, voilà, j'avais dans l'idée d'aller chercher la Kijun, hein, c'est un trade comme un autre. Est-ce que je suis sorti? Non. Parce que j'attends la fin de ma bougie et je sais qu'actuellement c'est Janet qui est en train de faire, qui est en train de raconter sa vie et donc qui est en train d'agiter le dollar. Et donc on va surveiller ça. On va surveiller ça et tant que ma Tenkan, que mes prix restent autour de la Tenkan, je n'ai pas de raison de sortir. Donc vous voyez que ma réflexion ici va être extrêmement simple. Je n'ai pas à chercher 36 000 choses, je suis même pas, il y a un RSI en bas, je ne l'ai même pas vu. Voilà, là je vois que ça commence à enfoncer un peu plus, mais tant que je n'ai pas ma clôture de bougeur, bon là c'est d'une heure, mais la réflexion elle se fait de la même façon sur du 5 minutes ou du quart d'heure. Donc par exemple sur d'une heure c'est effectivement un peu long et on est au début de l'heure, mais justement on est au début de l'heure, 16h04. Donc on a quand même, si la tendance haussière qui avait été envisagée avant est bien pérenne, normalement ça ne va être qu'un bruit de marché, c'est-à-dire que quand Janet Yellen va fermer son micro et qu'elle va retourner à ses petites affaires, et ben notre AUD-USD, ça se trouve il sera remonté là, voire il sera peut-être déjà carrément monté ici, parce qu'entre temps il sera passé des choses et mon USD sera vendu, et auquel cas la UDUSD remontera là. Il se passe quoi en unité plus courte? Combien nous sommes là? Nous sommes 500. Voilà.
voyez, donc là on a eu là sur donc le mouvement qui était qu'on est en train de regarder. Donc en 15 minutes, vous voyez que là on a eu des cassures hein, qui n'ont rien donné. On est parti ici. Là on a un beau doji ici qui invalide la hausse. On est allé tester ce niveau-là. Donc là on est en train de faire une troisième rouge. Donc on attendra la clôture de la 15 minutes. Si on est sur cette unité de temps-là, on attendra la clôture de la 15 minutes. Si jamais on vient clôturer au-dessus, le mouvement haussier sera lancé. Par contre, si on clôture en dessous, il y a des chances pour qu'on aille faire une troisième. Mais tant que le marché bouge comme ça, on n'a pas de raison. Mais il faut que la réflexion soit simple. C'est tant que je suis en dessous de ma Kijun, effectivement, il faudra que j'envisage de sortir si j'étais à l'achat. Mais j'attends cette Kijun. J'attends de voir si on va rester en dessous ou pas. Pour le moment, vous voyez qu'on n'arrive plus à descendre. Donc c'est là aussi où on va zapper sur les unités. Ah, disons, quand on descend sur le court terme, elle est belle la bougie. On va descendre sur les unités inférieures. Et donc là, sur le 5 minutes, en l'occurrence, moi je suis plus familière avec les courts termes qu'avec les longs termes. Donc le 5 minutes, j'aime assez. Vous voyez que là, on a eu une très belle bougie. Donc là, c'est le moment où strictement on ne fait rien. Par contre, vous voyez qu'on avait clôturé en dessous de la Kijun. Donc la clôture en dessous de la Kijun, c'était la lagging span, par contre, qui a clôturé, elle, au-dessus de sa Kijun. Donc vous voyez que le mouvement était incertain. Et là, on est reparti violemment à la baisse. Donc quand on est descendu jusqu'ici, ça veut dire que ma lagging span, elle, à ce moment-là, elle est descendue jusqu'ici. Donc vous voyez que le nuage a bien fait effet, a bien fait support. Les prix, pour le moment, sont en train de remonter. Donc là, l'idée, voilà, on surveille. Vous voyez que la lagging span n'arrive pas à descendre. Est-ce qu'elle va clôturer au-dessus ou en dessous de sa Kijun? Si elle clôture en dessous de sa Kijun, on restera encore baissé. Vous voyez, on repart. Donc là, maintenant, on surveille le niveau suivant. La lagging span, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à SSB? Est-ce qu'elle repasse? Est-ce qu'elle repasse pas? Les prix de l'autre côté sont en train de casser la Kijun, sortent du nuage. Voilà, là, on repart. Donc le dollar est vendeur. Donc là, il y a peu de résistance au-dessus. Alors la Tenkan, attention, est-ce qu'elle lâche ou est-ce qu'elle lâche pas? Donc le système de réflexion est extrêmement simple. Et ce sont des niveaux, contrairement à des moyennes mobiles, ce sont des niveaux qui sont extrêmement forts. Là, ce niveau-là, c'est une SSB. La SSB, je rappelle que c'est un point moyen calculé sur 52 périodes, projeté 26 périodes en avant, hein, puisque le nuage, c'est une projection. Il n'y a pas de prix, on est ici. Donc ici, c'est projeté. Et ici, on a pris, donc pour calculer ce point-là, on a pris... Là, on a pris les 52 périodes ici, on a pris le point haut et le point bas, et on a trouvé ici. Alors, donc, pourquoi cette chute ici? Ben voilà, parce que c'est le nouveau point bas qui est ici, qui est pris dans les 52 périodes ici. Donc, le point moyen entre le point haut et le point bas ici, il se situe ici. Donc, c'est pour ça que j'ai cette forte baisse ici, qui est due à ce niveau-là. Donc, ce sont vraiment des niveaux représentatifs, des niveaux moyens de représentation des prix, donc des équilibres de prix. Ce n'est pas la même chose avec les moyennes mobiles. Vous n'avez pas le même calcul et donc vous n'aurez pas du tout la même allure. Donc, autant ça, ce sont des supports et des résistances fiables et qui donnent des informations, contre ce qui n'est pas le cas des moyennes mobiles. Donc là, il faut que ma lagging span passe les prix. La lagging span passe les prix, c'est bon. Alors, je vous déconseille d'acheter maintenant parce que Janet Yellen est toujours en train de parler, donc on peut repartir à la baisse. Enfin, c'est pour vous montrer le principe que l'Ishimoku se suffit d'abord à lui-même. Voilà, c'est bon, on est en train de partir. Donc après, on ira chercher, il faudra donc sur le 5 minutes, on redescend sur les unités autres. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé. Et là, on va aller chercher la Kijun. Donc quand on est, si on trade les news, alors là c'est un discours, donc c'est très difficile de trader les discours parce que si elle change de virgule ou elle change de page, enfin elle, parce que je parle de Janet Yellen, mais bon, si c'est Draghi ou je sais pas quoi, quelque part ça peut donner le mouvement. Mais sur le principe du trading et notamment quand on trade les statistiques, c'est de cette façon là qu'on va voir. On va voir là si c'était une stat qui tombe, on a par exemple ici un fort mouvement vendeur par rapport à une statistique. Alors, on oublie que c'est la UDUSD, hein, on dit que c'est un actif quelconque, un DAX par exemple, ou un S&P. On a une stat qui tombe, donc là on a le whipsaw, comme on dit en anglais, de la stat, ça monte, ça baisse, on va chercher les stops, etc. Mais vous voyez que là on avait trois bougies rouges. Donc la probabilité de la bleue derrière est assez forte. Vous avez le mouvement qui descend ici en 5 minutes et vous voyez qu'on ne descend pas. Donc je vous ai montré tout à l'heure, on est descendu sur le bas du nuage et on fait un point bas nettement plus haut que le point bas précédent. Donc quand on est trader de news sur court terme, on achète ici. On achète dès qu'on pénètre le nuage. On achète et on vise à chaque fois et on reste le doigt sur la souris. Et avec les informations qu'on a sur les UT supérieures, donc là j'avais mis d'une heure parce que c'est ce que j'avais vu de plus pertinent. Maintenant, quelquefois ça peut être du quart d'heure, ça peut être du 4 heures. Donc on a racheté
dans cette bougie là, hein, qui est la bougie d'une heure, on est sur 5 minutes et l'objectif est d'aller chercher le niveau de la Kijun et on attendra ce niveau là. Donc tant que ce niveau là, tant que la bougie me persiste dans cette idée là, je resterai en trade. Je vais regarder en 15 minutes ce que ça donnait. Voilà, 15 minutes, c'était le passage au-dessus de la Kijun qui était un signal de rachat. Voilà, donc ça c'est sur le principe du trading avec l'Ishimoku. Donc vous voyez, vous avez que ça, ça suffit, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Même le RSI, on s'en sort pas. Alors quelquefois le RSI, alors c'est pas du RSI 14 que j'utilise, moi c'est du RSI 5, on va s'en servir sur le 1 minute pour valider certaines choses, parce que si je vous mets en 1 minute dans des circonstances comme ça, vous voyez que c'est assez rock'n'roll. Et voyez, donc là, le test, hein, donc on a bien cassure. L'intérêt d'attendre le test derrière, c'est que ça n'a pas validé, donc on ne rachetait pas ici. Par contre, on rachète là. Et là, le RSI, effectivement, donc là, c'est du 14, on n'a pas d'infos. Mais le RSI 14, en 38, en 40-60, vous donne de très bonnes informations par rapport au point de rachat quand vous êtes en très court terme sur sortie de statistique. Alors, 8, 5, 3. Ça, je ne sais pas pourquoi Turlut me dit ça. C'est quoi? C'est Turcut. Oui. Turcut qui posait la question. C'est savoir combien on était, bah, j'ai dit 500, voilà, 8, 5, 3. 500, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3. Voilà, donc 500 personnes qui sont venues. Alors, les UDNZD, non, je n'en parle pas parce que je suis contre cette paire. Alors, mon approche intraday, Franck qui me demande mon approche intraday DAX, il n'y en a pas parce que je vous dis, je ne le trade pas actuellement parce qu'il est absolument sans intérêt. Alors GBPCAD, vous adressez à Adriane parce que chez moi c'est une paire que je ne suis pas du tout. Alors commentaire de Talki, j'ai vu avec l'accord sur le problème grec, le DAX de même que le CAC ont grimpé juste avant une analyse technique prévoyant une baisse. Est-ce que l'analyse technique prévoit une correction court terme? Ça c'est toujours les grandes controverses. Est-ce que l'analyse technique vient avant ou après le fondamental? J'ai envie de dire, est-ce que Janet Yellen regarde son analyse technique de l'UST avant de parler? J'en sais rien. Je lui demanderai quand je la verrai, mais voilà. D'accord. Mais non, je veux dire, c'est pour ça que d'être prudent, d'attendre les choses. Vous voyez, l'AUD continue à monter. Et donc, voilà. Vous voyez, la Kijun a été atteinte. Elle est dépassée. Donc là, maintenant, il faut vraiment attendre la clôture de bougie. Si on clôture au-dessus, le mouvement va continuer. Ça veut dire que l'USD, ce qui a été dit, je ne sais pas quoi, mais ça ne m'intéresse pas, ce qui a été dit par Yellen a fait chuter le dollar américain. Donc si j'ai une clôture au-dessus, ça veut dire que la chute du dollar américain va continuer, va perdurer. Ce n'est pas simplement un effet d'annonce. Si par contre, on clôture en dessous, ça veut dire qu'on reprendra la tendance et auquel cas que le dollar américain reprendra sa hausse, ce n'était qu'un effet d'annonce. Là, pour le moment, là il faut surveiller. Vous voyez que là, c'est un niveau clé. Alors, 7,7,7,7, hein, voilà. Donc, c'est un niveau clé à surveiller. Donc, en H4, on est sur une deuxième bougie bleue. Donc, on est en train de rencontrer la droite de tendance qui est là. Vous voyez. Mais, il y aurait des possibilités, effectivement, pour que dans le reste de la journée, si le mouvement sur le dollar est pérenne, on aille chercher ce niveau H4 ou qu'on y aille même, d'ailleurs, plus vite que prévu. Alors excusez-moi, quel chiffre il faut mettre sur Ishimoku? Respectivement Tenkan, c'est 9, 26, 52, il n'y en a pas d'autre. Vas-y. D'accord. NZDCAD, aucune idée, je ne le suis pas. Alors, le CAC. Alors, Eurotri, c'est pas moi, c'est Adriane. L'Eurotri. Non, c'est plus Adriane non plus. Bon, plus personne ne veut parler de l'Eurotri, donc on ne parle plus de l'Eurotri. Voilà. Non, tu sais pas. Bon, moi non plus, il sait pas. Non, il veut pas en parler. Bon, donc. Alors, donc l'or et le CAC.
Alors, je vous fais l'or et le cac. Non, c'est là. Hop. X a eu. Alors, l'or, de toute façon, vous pouvez regarder l'analyse qui a été publiée lundi. Hein, j'en ai parlé de l'or. Je ne me souviens plus trop ce que j'ai dit, parce que comme je ne trade pas, j'écris des choses en tant qu'analyste, mais après, je ne m'en souviens pas nécessairement. Alors, l'or. Bah oui, alors l'or, pour le moment, il est en train de monter, puisque l'USD est en train de baisser. Alors, oui, donc c'est pas forcément une information pertinente. Donc l'or ne fait rien. Hein, voilà, il est en stand-by pour le moment, il fait rien, donc il n'y a rien à faire sur l'or pour le moment. Ça. Bah oui, mais t'as vu l'or comme il monte. C'est ton USD. Hein. Vous voyez, l'or, il est en train de nous faire un deuxième doji, donc on a eu trois bougies rouges. Alors, est-ce que, effectivement, ce qui s'est passé là actuellement avec le dollar baissier peut faire remonter l'or et casser la trend line? Bah, ça vérifie. Donc, il faudra attendre de toute façon la cassure de trend line éventuellement pour rentrer à l'achat sur l'or. J'avoue que c'est un actif que je suis très très peu. Voilà, le problème, il est quand même là, c'est que vous avez une trend line qui est quand même très très forte. Donc, bon, on est en H4, on est sur la deuxième bougie bleue. Vous avez vu que sur l'AUD-USD tout à l'heure, on était aussi sur une deuxième bleue et qu'on allait chercher potentiellement déjà la trend line. Là, potentiellement, effectivement, H4, 15h, donc elle finit à 19h. On peut aller chercher la trend line d'ici 19h. J'ai pas grand chose à dire sur l'or. Pour le moment, il est en train de faire une conso à plat. Il n'y a pas grand chose à faire sur cet actif. Et donc, je vais finir par le CAC. Alors, le CAC, je vous signale tout de suite, pour ceux qui ne me connaissent pas, non seulement je ne le trade pas, mais en plus, je le trouve insupportable. Alors, Ishimoku, hop, voilà. Daily, hop. Donc le CAC, c'est un couche monte, un couche baisse. Voilà, quand je regarde le CAC, je vois, je monte, je baisse, je monte, je baisse, je monte, je baisse, je monte. Alors globalement, il monte, on est bien d'accord. Maintenant, où est-ce qu'il peut aller? Ben voilà, comme vous l'a mis Vincent, j'aurais pas fait mieux. Hein. Il a mis une extension de Fibonacci, donc 0,618 à 4907. Donc effectivement, c'est ce qu'on peut envisager dans un premier temps. 4907, et puis plus si affinité, hein, je veux dire, voilà, s'il fait les 100%, ben, ça sera 5128. Je n'en sais strictement rien. En plus, le CAC, je ne l'aime pas pour une bonne raison, outre que, point de vue lecture, il est affreux. En plus, il est très fortement pondéré en bancaire et en pétrole. Deux secteurs qui actuellement sont assez délicats, hein, le pétrole avec sa forte chute, donc voilà, Total qui est impacté, et les bancaires avec la Grèce. Donc pour moi, c'est un indice qui n'est pas très représentatif et personnellement, il ne m'intéresse vraiment pas. Et j'ai vraiment du mal à le lire parce que j'ai une lecture de marché qui est assez intuitive et quand je vois ça, ça ne m'inspire pas du tout. À part oui, ok, ça monte, mais ça, à aucun endroit je peux dire ben, je rentre là ou je sors là. C'est vraiment quand vous regardez en 4 heures, voilà, deux belles impulsions, retracer complètement derrière, là il fait plus rien. Voilà, je veux dire, c'est un marché qui n'est pas intéressant, enfin, qui de mon point de vue n'est pas intéressant. Alors je vais rendre la parole à Vincent. La UD4, je ne le sur comment je suis fatigué. Oui, tu as raison, je suis fatigué. Alors, le commentaire de la part de Bono qui dit que j'étudie l'indicateur à la japonaise. Oui, je l'utilise exactement comme les Japonais l'utilisent en salle de trading au Japon. Exactement de la même façon. J'ai vraiment conforté ma façon de trader avec leur façon de trader. Je les ai observés, ils m'ont observé. On a débriefé derrière. Et la façon dont je l'utilise, je le lis et je trade avec, c'est exactement ce que font les Japonais dans les salles de trading japonais. Alors refuser la part de visiteur, refuser de passer par un twist est-il un fort signal pour un mouvement en sens inverse? C'est pas un fort signal pour un mouvement en sens inverse, ça veut dire qu'effectivement on va avoir un mouvement de sens inverse, c'est-à-dire que si tout dépend si votre twist il est à quel moment il se trouve, c'est-à-dire si on était en tendance baissière, qu'on retourne, on remonte chercher un twist et que le twist n'est pas traversé, oui, ça veut dire que clairement on était en correction, ça vous dit on ne changera pas de tendance puisqu'on ne passe pas le twist, donc on ne passe pas de l'autre côté du nuage et donc on reste bien en tendance baissière. Maintenant, est-ce que le mouvement va être fort derrière? Ça, je n'en sais rien. C'est simplement, ça vous confirme l'idée que on va bien repartir à la baisse. Donc, je vais redonner la parole à Vincent parce que
mine de rien, j'ai une formation qui est derrière. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a une formation mardi prochain de 14h à 18h dans les locaux des FixECM. Donc, c'est une formation trading, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui connaissent l'Ishimoku, mais qui veulent apprendre à trader avec. Donc, j'explique comment, ce que je vous ai montré tout à l'heure en deux temps, trois mouvements sur l'AUD-USD, c'est comment on trade en utilisant l'Ishimoku tout seul ou avec d'autres indicateurs, mais principalement tout seul. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous appelez FXECM. Tu mettras le numéro Vincent parce que je ne le connais pas. Donc vous appelez FXECM, ils vous donneront tous les renseignements. Donc c'est mardi prochain, donc le mardi 3 mars de 14h à 18h dans les locaux des FXECM à Paris. Donc est-ce que je réponds à une dernière question de Christ qui demande est-ce que l'Ishimoku est valable sur les marchés actions? Oui, c'est valable sur n'importe quel marché puisque c'est un indicateur. Donc le MACD marche sur les actions, le Ishimoku marche sur les actions. Voilà, donc je vous remercie. Il n'y a plus de questions vraiment particulières. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais rendre le micro à Vincent. Et donc, en principe, on devrait me retrouver un peu plus régulièrement maintenant que mes vacances sont terminées jusqu'aux prochaines. Voilà. Je remercie beaucoup. Voilà, donc merci, Karen, d'avoir organisé ce webinaire. Donc, en effet, vous avez l'habitude de retrouver plus régulièrement Karen Pelloual, probablement chaque vendredi pour un webinaire hebdomadaire Ishimoku, donc un rapport hebdomadaire en utilisant l'indicateur technique Ishimoku. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de monde. Voilà, vous étiez. Alors, vous avez d'ailleurs la possibilité, puisque j'ai vu une question revenir de manière récurrente, de savoir en temps réel combien vous êtes. En cliquant en bas à droite de la salle de trading, vous pouvez accéder à la chaîne Livestream qui vous donne le nombre de personnes en temps réel. Donc voilà, sachez qu'au total, vous avez été presque 600 à avoir participé pendant une heure et demie aujourd'hui à ce webinaire Ishimoku. Et puis voilà, si vous avez une question assez insistante à ce sujet, si cette personne a d'autres questions, qu'elle n'hésite pas à me contacter directement, je prendrai soin de lui répondre de la manière la plus professionnelle possible. Merci à toutes et à tous. Webinaire ici même à 18h sur un autre sujet. Puis quant à moi, je vous retrouve donc demain pour l'émission Wall Street Insider. Merci à toutes et à tous. À 600 personnes, c'était impressionnant.